Alors bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on va voir un petit système qui peut vous sauver les orteils. Photo. C'est un petit embout de guidon qui se met entre la fourche et votre pneu. Et ça vous évite de mettre les orteils dans le pneu. Parce que ça fait mal. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont déjà eu ça. Et ça pique. Donc, on va voir ça tout de suite. Je démonte la roue avant et je vous montre comment l'installer. A toutes. Du scotch, un embout de guidon basique. Ce que je vais faire, je vais prendre mon scotch, je vais enrouler autour de l'embout au niveau de là où il rentre dans le guidon jusqu'à avoir une bonne épaisseur. En gros, il faut en mettre jusqu'à ce que quand vous mettiez l'embout, il soit dur à mettre en place. Parce que s'il est dur à mettre en place, il va être dur à sortir aussi. Donc j'en remets encore. Je pense que ça devrait le faire là. Je le mets dedans. Là, il n'est pas dur. Donc je recommence. Ça bouffe du scotch. Faut pas hésiter à en mettre. Hop. Voilà, là, il est bien dur à mettre. Donc, hop. Voilà. Et en gros, ça doit donner ça. Une fois qu'on a mis ça en place, on essaie de ne pas éteindre la lumière. Une fois qu'on a mis ça en place, on remet sa roue avant. Bon, là, il y a un petit problème, ça frotte. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va prendre un marteau, un vieux pegs, et on va taper dessus. Hop, et comme ça, il est un peu rentré dedans. Et ça frotte toujours. Donc ce qu'on va faire maintenant, vu que ça frotte au milieu, je vais prendre une lime. Hop, j'ai une lime qui est pétée, mais bon, qui marche encore. Et ce que je fais, j'essaie de donner un arrondi à mon embout de guidon. Ce que j'entends par arrondi, c'est que l'embout est plat et je vais essayer de lui donner un petit arrondi comme ça pour qu'il ressorte sur les côtés mais qu'il ne touche pas le milieu du pneu. Bon, alors, c'est au millimètre. Hein. Après, vous pouvez poncer un peu plus si vous voulez. Mais en fait, ça vous évitera de vous bloquer les doigts de pied dans la roue. Et ça fait du bien, surtout quand on a des chaussures assez fines. Donc voilà, en fait, c'est une petite technique de rien du tout. Mais ben, ça fait la différence quand vous faites des foot jams. Donc, un embout de guidon, du scotch, une lime. Vous le mettez en place, vous tapez un peu dessus et vous limez jusqu'à ce que le pneu ne frotte plus. Ah, j'espère que cette petite technique vous aura appris quelque chose. Je sais qu'il y en a déjà qui l'ont sans doute. Et il y en a qui ne savaient pas qu'on pouvait faire ça. Et mine de rien, ça vous sauvera les doigts de pied. C'était un petit tuto mécanique comme ça, vite fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder les autres vidéos de mécanique. Je les mets là.